suis Madame Ben Brahim, j'enseigne les sciences techniques sanitaires et sociales. J'enseigne aussi l'option santé sociale pour les élèves de seconde qui se destinent à une poursuite d'études en ST2S. Bonjour, Pascal Toutain. En ST2S, j'enseigne la biologie humaine et physiopathologie humaine, la SVT en seconde. Donc les domaines qui vont y être abordés en tant que spécialité, c'est la ST2S, la biophysiopathologie et les sciences physiques-chimie, avec en terminale la chimie appliquée à la santé, puisqu'il y a trois spécialités en première et plus que deux qui sont poursuivies en terminale. Donc la ST2S, c'est donc une matière qui est axée sur deux pôles, un pôle plutôt thématique, où on va aborder tout ce qui est les notions de santé, le social, tous les dispositifs qui permettent de prendre en charge la santé, d'identifier les problèmes de santé, et la même chose donc dans le domaine social. Alors la biologie et physiopathologie humaine, c'est une des spécialités qui est associée à la physique. Ça se répercute sur les deux années, c'est-à-dire l'année de première et l'année de terminale, où on voit des grands thèmes, c'est-à-dire on voit tout le fonctionnement des organes et les pathologies qui sont associées aux organes. Et la physique vient s'insérer dedans pour des examens paramédicaux, pour des fonctionnements divers et variés, des calculs aussi, et la chimie pour toutes les biomolécules. La continuité pédagogique sur les trois années, elle est importante, puisqu'on a le temps de travailler avec l'orientation pour préparer au mieux Parcoursup, dès la seconde, à travers l'accompagnement personnalisé par exemple, d'amener les notions qu'on va utiliser en première et en terminale dès la seconde, pour que les élèves puissent se familiariser avec le vocabulaire. On est très à l'écoute de nos élèves, on essaie au maximum d'être disponible pour eux, que ce soit dans la recherche de leur stage, dans le travail qu'ils vont avoir à fournir. Il y a l'aboutissement qui est le bac, certes, mais il y a aussi préparer l'après, puisque c'est aussi une part importante de leur vie. C'est là où ils vont devoir assumer leur enseignement, et c'est compliqué parfois si on ne les a pas poussés dans cette direction.